Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo React sur la chaîne du Captain. Aujourd'hui, on va réagir sur une chanson française, mais chantée à l'étranger. Une chanson, L'envie d'aimer, des 10 commandements, qui est chantée par, alors je vais essayer de le dire sans forcément l'écorcher, Ko Eun-sung, qui a participé à cette chanson et qui va pouvoir justement découvrir cette voix ensemble. Alors je vous avoue que j'étais très curieux quand j'ai vu l'envie d'aimer. Je pensais que c'était Forestella qui l'avait chanté, mais non. Du coup, non, c'est Ko Eun-sung qui l'a chanté. Vous aurez bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Et du coup, on va pouvoir la découvrir ensemble. L'envie d'aimer, chanson emblématique des comédies musicales d'il y a maintenant pas mal d'années. À l'époque des grandes comédies musicales, et c'est vrai que l'envie d'aimer, c'est une chanson qui me touche particulièrement parce que j'aime beaucoup la comédie musicale des 10 commandements, et c'est vrai que Daniel Lévy qui l'interprète nous a quitté il y a peu. C'est une chanson qui me touche particulièrement parce que d'autant plus qu'elle valorise vraiment le combat de l'amour face à tout en fin de compte. Donc découvrons-la ensemble et découvrons cette performance. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tôt pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher. Depuis
bruit la nuit des temps. Ce sera nous, ce sera nous, ce sera nous, pour que l'amour qu'on saura se donner. Cette chanson, ah là 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 là, cette chanson, les amis, l'envie d'aimer. Pour moi, c'est, j'ai beau réfléchir, ouais, c'est vraiment la plus belle des comédies musicales. Alors il y en a beaucoup, hein. Il y a énormément de belles chansons dans les comédies musicales françaises, mais pour moi, l'envie d'aimer, c'est sûrement la plus belle. Déjà parce qu'elle véhicule un message d'amour quand même, un message de combat, un message de. Et en fin de compte, cette performance faite par Cohen Song, elle est juste époustouflante en fait. Après, c'est sûr que donc Daniel Levy, alors je me suis pas trop renseigné sur Cohen Song, sud-coréen aussi. Hein. Donc Corée du Sud nous fait des pépites, hein. c'est impressionnant. Et il fait partie du groupe KKD, voilà. Participation à l'émission Tomorrow. Donc voilà, donc c'est une très belle performance. Il est acteur aussi. Il est acteur et interprète de comédie musicale. Donc du coup, ça va dans le sens en fait. Ça va sous le sens. Mais très belle performance de Cohen Song qui nous fait une performance. Alors je suis désolé si j'écorche un peu le prénom. Hein, mais il nous fait une performance qui est époustouflante. C'est une chanson qui est très difficile à chanter. Hein. Beaucoup essaient même en France. De la chanter, cette chanson, elle est très difficile parce que je pense que quand on a une voix d'opéra, de comédie musicale, on peut la faire facile, mais je pense que tout le monde ne peut pas la chanter. C'est une chanson qui est difficile à chanter quand même. Elle est facile à chanter par ses paroles, mais elle est difficile à chanter par sa technique. Parce que si on est quand même sur une puissance dans les aigus, dans tout ça, et ça demande une maîtrise quand même. Et c'est une très belle chanson et une très belle performance. Il y a de la justesse tout au long de sa chanson. Elle n'est pas dénaturée. Encore une fois, on revient un petit peu sur les mêmes commentaires que j'avais fait sur Forestella. On est vraiment dans l'interprétation de la chanson, très fluide, très réussie. C'est vraiment une performance époustouflante, vraiment. Vraiment une très belle performance. Alors, faut savoir que cette chanson, c'est Daniel Levy à la base qui la chantait, l'envie d'aimer. Et il nous a quitté donc il y a peu de temps. Donc forcément, parti d'un cancer. Donc c'est voilà. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup attristé de savoir son départ. Pour moi, c'est un chanteur qui faisait partie vraiment des meilleurs chanteurs de comédie musicale, et même à côté d'ailleurs, hein, mais en tout cas dans les performances comédie musicale, pour moi ça a été un des meilleurs qu'il y a eu à l'époque des comédies musicales. Et sa performance sur l'envie d'aimer, forcément, j'étais très très dans l'attente de voir la performance de Cohen Song, et en fin de compte, il lui a rendu hommage d'une très belle façon. Donc bravo à lui. Et puis, on se fera un plaisir, bien sûr, de pourquoi pas réagir sur une autre interprétation que Cohen Song nous proposera. Je vous dis merci d'avoir été là dans ce react.
dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Captain. Ciao. Kiss les amis. Ciao, ciao.